Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 15 mai 2022. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 61 ans. Et ma mère se meurt. Depuis quelques jours, elle s'éteint doucement. Ma mère serait horrifiée que je vous raconte ceci. Ma mère déteste les réseaux sociaux, déteste tout cet étalement. Elle est née pendant la guerre, la dernière guerre. Et elle va disparaître sans doute au seuil de la nouvelle. Je l'ai vue il y a 2 jours. Les dames chez qui elle a choisi de mourir, ces dames qui s'occupent d'elle avec bonté, générosité, bienveillance. Eh bien, à sa demande, ils ont célébré cet anniversaire. Nous avons bu du champagne, nous avons mangé. Et ma mère était dans la chambre à côté et je présume qu'elle attendait les rumeurs des voix, des éclats de voix, les conversations. Et avant de partir, je suis allé la voir. Et elle m'a dit « Bonne nuit, mon petit gars. » Ma mère est née donc pendant la guerre. Et elle s'est mariée, elle était encore une enfant. Elle s'est mariée avec mon père. Il a fallu une permission spéciale de l'Église pour permettre ce mariage, car elle n'avait pas l'âge légal. Permission qu'elle a obtenue. Et celui qui a été l'intercesseur entre mon père et ma mère, c'est un jésuite qui s'appelait Bruno. De là mon prénom. Ils ont décidé que, pour le remercier d'avoir été cet intercesseur, ils ont décidé de me donner son prénom. À ce grand jésuite paraît-il très bel homme, très instruit. Le mariage n'a pas duré, c'était impossible entre les deux, entre la fille unique, trop aimée par son père sans doute, correctement aimé par sa mère, sans doute aussi. Et ce père, à entendre son propre récit, en tout cas, correctement aimé par sa mère et incorrectement aimé par son père. Et ce père appartenait à une grande fratrie, 7 garçons, dont 3 sont morts de mort violente dans le nord de l'Ontario. Je vous lis un poème, un court poème de Pierre Reverdy, ce poète d'une extrême modernité au fond, dans le monde étranger. Je ne peux plus regarder ton visage. Où te caches-tu? La maison s'est évanouie parmi les nuages et tu as quitté la dernière fenêtre où tu m'apparaissais. Reviens,
Que vais-je devenir? Tu me laisses seul et j'ai peur. Rappelle-toi le temps où nous allions ensemble. Nous marchions dans les rues entre les maisons et sur les routes au milieu des buissons. Parfois le vent nous rendait muets. Parfois la pluie nous aveuglait. Je chantais au soleil et la neige me rendait gai. Je suis seul, je frotte mes paupières et j'ai presque envie de pleurer. Il faut marcher vers cette lumière dans l'ombre. C'est toute une histoire à raconter. La vie si simple et droite, sans tous les petits à côté. Vers la froide lumière que l'on atteindra malgré tout. Ne te presse pas. Qui est-ce qui souffle quand je serai arrivé? Qui est-ce qui soufflera? Mais seul, je n'ose plus avancer. Alors je me suis mis à dormir, peut-être pour l'éternité, sur le lit où l'on m'a couché, sans plus rien savoir de la vie. J'ai oublié tous mes amis, mes parents et quelques maîtresses. J'ai dormi l'hiver et l'été, et mon sommeil fut sans paresse. Mais pour toi qui m'as rappelé, il va falloir que je me lève. Allons, les beaux jours sont passés. Les longues nuits, qui sont si brèves, quand on s'endort entrelacé. Je me réveille au son lugubre et sourd d'une voix qui n'est pas humaine. Il faut marcher, et je te traîne au son lugubre du tambour. Tout le monde rit de ma peine. Il faut marcher encore un jour. À la tâche jamais finie, que le bourreau vienne et t'attelle. Ce soir, les beaux jours sont finis. Une voix maussade t'appelle. Pour toi, la terre est refroidie. De loin, je revois ton visage, mais je ne l'ai pas retrouvé, disparaissant à mon passage de la fenêtre refermée. Nous ne marcherons plus ensemble. À demain.